Ta-da! Ça c'était bien ça, Elton John sur Radio Bonheur. 16h-19h, c'est le driving sur Radio Bonheur. Et son sublime Crocodile Rock. J'espère que tout se passe bien pour vous. Nous serons demain les amours vendredi. Ah yes, 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 vendredi c'est youpi. Et on sera le 23 juin et j'espère que vous fêterez votre anniversaire demain, surtout si vous êtes né un 23 juin. Hein. Si vous êtes né le 22 novembre, c'est pas la peine hein, de fêter votre anniversaire demain. Mais si vous êtes né en ce 174e jour de l'année, fête de la Saint-Audrey, 5h46, 21h57, donc 16h11 d'ensoleillement. Alors là, moi je dis bravo. Et vous êtes né en même temps que Patrick Vieira. C'est un joueur de football français qui est né au Sénégal. Bah oui, comme tous les joueurs de foot français en même temps. Hein. Enfin, en tout cas, les bons. Les mauvais joueurs de foot français, ils sont nés en France, voyez. Bon ouais, moi je dis la vérité, attends. Et alors, Patrick Vieira, il aura exactement 41 ans demain. Et alors, ce qui est très drôle, c'est, ah bah, c'est des thématiques. Hein. C'est-à-dire, il y a une époque, c'était les tennis, hein, vous savez, je vous en rappelais la semaine dernière, même encore un petit peu au début de semaine. Et puis là, c'est football. Parce que donc, Patrick Vieira est né un 23 juin, mais aussi Zinedine Zidane. Ça, c'est drôle quand même. Hein. Et ils ont joué ensemble en plus, dans l'équipe de France. Il y en avait un qui jouait bien, puis l'autre bien aussi. C'est-à-dire qu'il a 45 ans, le monsieur Zidane. Quel entraîneur, hein. Quel homme. Hein. Franchement, ça, c'est quelqu'un. Hein. Et puis alors, attention, Yann Tiersen. Je ne sais pas si vous savez qui c'est, Yann Tiersen. C'est lui qui a composé la musique de Amélie Poulain, le film. Vous savez, le fabuleux destin d'Amélie Poulain. Bon, si vous ne saviez pas comment c'était, vous n'allez pas en savoir plus parce que je l'ai très très mal fait. Hein. Oh là là, dis donc. Attention, donc bon anniversaire, monsieur Yann Tiersen. Hein, 47 ans. Hey, Yann Tiersen, Yann Carten, Yann Quinten, il joue au tiercé, lui. Noah. Ah, c'est pas Yannick Noah. Non, non. C'est la chanteuse Noah avec des cheveux longs et tout, magnifique. Elle est née en Israël, Noah. Et elle a 48 ans demain, Noah. Bon anniversaire. Alors, quand je vous disais hein, qu'il y a une thématique football, alors que la semaine dernière, c'était une thématique tennis, eh ben, je vous jure que c'est vrai. Regardez, demain, 62 ans pour qui? Eh ben, pour un joueur qui est né au Mali et qui jouait bien aussi. Eh ben ouais, c'est normal. Il était black. Et donc, il jouait en équipe de France. Et c'était Jean Tigana. C'est toujours Jean Tigana. Bah, il est encore vivant. Hein. 62 ans, donc, pour monsieur Jean Tigana. Bravo. Alors, attention, il y a un couturier, là, maintenant, tout de suite. C'est Ted Lapidus. Et lui, il est mort. Bah oui. Mais il était né un 23 juin 1924. Et il est mort à 79 ans. Elle est morte à 50 ans, Joséphine de Beauharnais. Elle était née en Martinique dans les années 1700. Jean Anouilh. Ah, bah, lui, il est comique. Hein. Et il est mort à 79 ans. Il était né aussi un 23 juin. Et par contre, lui, il est mort un 23 juin à 39 ans. Ah, c'est tôt, hein, quand même. Hein. En 1959, très précisément, Boris Vian. Et c'est pas n'importe qui, hein, Boris Vian. Hey, il en a fait des trucs pourtant en 39 ans. Hein. Et puis, c'est ma femme qui va être contente. Ah, qu'on parle de moi, ça, c'est bien. Bonjour, monsieur, dame. Lieutenant Colombo, hey. Je suis mort à 83 ans en 2011. Le 23 juin, figurez-vous.